Salut, très chers téléspectateurs, bienvenue sur GPS Tutoriel, une chaîne de référence pour tous vos projets de génie civil. Nous voici encore une fois de plus. Nous allons travailler rapidement sur ces projets. Nous allons faire une petite vidéo. Voilà, l'artiste que nous allons traiter aujourd'hui, je vais vous montrer, nous allons voir ensemble, et donc les types de sélection rapide dans Robot Structural Analysis. Voilà, donc c'est ce que je vais vous montrer ici. Alors, déjà, nous le savons très bien que surtout pendant la modélisation, lorsque vous modélisez un projet dans Robot Structural Analysis et que vous n'êtes pas rapide, eh bien, ça sera un peu compliqué pour vous également de pouvoir travailler rapidement. Donc, il faudrait que vous puissiez avoir quelques astuces, notamment appelées des raccourcis, qui pourra vous aider de manière à ce que vous soyez rapide lorsque vous faites une modélisation. Raison pour laquelle, par rapport à la demande, nous allons voir aujourd'hui comment peut-on donc utiliser les types de sélection dans Robot Structural Analysis. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer d'abord le premier artiste. Un élément très très facile. Lorsque vous travaillez dans Robot Structural Analysis et que vous voulez par exemple sélectionner les niveaux ou notamment les étages, il y a un raccourci vraiment très très rapide à faire et que c'est juste question d'utiliser les lignes de construction. Regardez, dans les lignes de construction que vous êtes en train de voir ici, c'est celle que je vais utiliser pour sélectionner directement les niveaux, mais aussi les étages. Alors, supposons par exemple, je vais sélectionner et donc le premier étage. Qu'est-ce que je fais? Au lieu d'aller utiliser par exemple la sélection spéciale et puis prendre la sélection par couleur, eh ben, je peux passer directement et je peux sélectionner directement donc les lignes de construction. Comment je le fais? Je viens ici. Regardez, je vais pointer, je vais mettre directement le curseur sur l'étage numéro 1. Alors, dès que c'est devenu en vert comme ça, je clique une seule fois. Dès que je clique, regardez, je viens de sélectionner déjà ces niveaux. Vous voyez? Je le fais également ici. Je pointe et puis je clique une seule fois. C'est sélectionné. Vous voyez? Donc, c'est très très simple. Donc, vraiment, pour sélectionner les niveaux sur Robot Structural Analysis, vraiment, c'est simple. C'est juste question de pointer votre curseur sur les niveaux que vous voulez sélectionner. Par exemple, l'étage, vous pointez comme ça et puis vous cliquez une seule fois. Voilà, c'est bon. Alors, même si vous voulez sélectionner plusieurs étages au même moment, c'est simple. Je peux commencer d'abord par le premier étage. Eh bien, je descends. Je vais cliquer sélection. Je vais cliquer sur contrôle. Je clique deuxième étage. Troisième étage. Quatrième. Cinquième, sixième, septième et puis huitième. Voilà, donc cela veut dire que là, je viens de sélectionner tous les étages. Alors, je peux aussi l'isoler. Si je vais l'isoler pour voir ça très très bien, je viens ici, je vais cliquer juste à côté ici. Dès que je clique, regardez, donc là, je viens d'isoler mes étages. Vous voyez? Donc, j'ai sélectionné seulement les étages. Je n'ai pas tenu compte des poteaux. Donc, vraiment, c'est une sélection très très rapide que vous pouvez utiliser au moment de vos modélisations de manière à ce que vous soyez rapide. Alors, je peux rentrer. Je ferme d'abord ici. Je rentre. Alors, je peux sélectionner aussi des portiques. Voilà, je sélectionne par exemple ces portiques. Je peux l'isoler aussi. Je l'isole. Voilà, ces portiques sont sélectionnées. Je peux l'isoler et puis je travaille uniquement sur ça. Vous voyez, surtout beaucoup plus si je vais. Ça peut arriver que vous êtes en train de calculer un projet et que vous allez utiliser soit des types de semelles, des types de fondations en fait. Vous avez des semelles isolées ainsi qu'une fondation filante. Voilà, par exemple, supposons qu'ici j'aurai une fondation filante. Je peux sélectionner tout simplement ces portiques et puis je vais vérifier dans les éléments de réduction jusqu'à tel point que je passerai directement au dimensionnement. Donc c'est vraiment facile. Je ferme. Alors je peux sélectionner aussi le. Je réponds, sélectionne d'abord première portique, deuxième, troisième,
quatrième et puis cinquième. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné seulement les portiques. Je peux l'isoler. Je l'isole. Les portiques sont là. Vous voyez? Donc là, je suis en train d'utiliser tout simplement mes lignes de construction. Je ferme. Alors, si je vais sélectionner aussi les portiques suivant cette direction, je peux venir ici. Je clique sur Contrôle. Voilà, je vais aussi ajouter ça. B, je prends C, D, et puis enfin E. Voilà. Là, je viens de sélectionner donc tous les portiques. Je l'isole. Voilà, tout est là. Peux rentrer. Voilà, sélectionne ça. Ok, je vais sélectionner rapidement. Voilà, là c'est bon, c'est déjà sélectionné. Et puis je l'isole. Voilà. Donc c'est vraiment facile. Meilleur type de sélection. Une sélection par les lignes de construction. Alors, deuxièmement, vous pouvez aussi utiliser la sélection spéciale, hein, c'est ce qu'on a souvent l'habitude d'utiliser, sélection spéciale. Je prends la sélection par couleur. Ok, je viens ici. Alors, à ce niveau ici, je peux utiliser les couleurs que j'avais insérées ici. Première couleur, je peux prendre ça et puis je clique à côté. Tout est sélectionné. Je peux aussi l'isoler. Voilà, je peux aussi l'isoler. Tout est sélectionné. Ce sont donc mes poutres. Ok? Alors, si je vais sélectionner mes colonnes, je prends ça, je clique. Tout est sélectionné et puis je l'isole aussi. Là, j'ai sélectionné donc les colonnes. Mais je peux sélectionner aussi seulement les dalles. Hein. Donc, c'est juste question de cliquer d'abord à vide. Je vais cliquer sur attribut. Je viens d'abord ici sur barre. Je prends panneau. Puisque là, il s'agit des panneaux. Je prends date d'habitation. Hop, tout est sélectionné. Et puis, je l'isole. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné tout simplement les dalles. Vous voyez? Donc, c'est vraiment facile. OK? Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment facile. Et puis, je clique à vide. Je ferme. Vous voyez? Mais vous allez remarquer que tout type de sélection dans robot, c'est possible. C'est possible vraiment. Alors, ça dépend de la manière dont vous allez faire des projets. Si vous êtes tellement pressé, vous voulez sélectionner rapidement, utilisez tout simplement la sélection avec les lignes de construction telles que je vous ai montré. En faisant tout simplement ceci, vous allez voir que tout sera sélectionné. Vous voyez? Donc, c'est vraiment facile. J'espère que vous avez très bien suivi cette vidéo. C'était juste une petite formation pour vous montrer comment utiliser les types de sélection dans Robot Structural Analysis. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos. À bientôt, il y aura d'autres types de formations. Passez une excellente journée. Au revoir.